Et re. Voilà, re YouTube. C'est rapide. Par où je vais alors pour cette connerie? Comment que je vais sur l'île numéro 2, moi? Ah mais non, il faut prendre le ferry. Ça, non? Ah bah oui, ok. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici? S'il me dit qu'il y a un truc électrique, danger rapide, pêche interdite. Ok, un centre Pokémon. Peu de monde habite sur les deux. Il y a une vieille fille qui habite au bout du cap. Personne ne sait depuis quand elle habite là-bas. D'accord. Tu connais la salle de jeu, si tu vas, n'oublie pas d'amener des amis avec toi. Récemment acheté. Ah, t'as des super balls, toi. J'aimerais bien des hyper balls, tu vois. Il y a quoi de beau? Boing boing, t'as essayé le jeu de saut. Il te faut des Pokémon qui peuvent faire boing 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 boing. Boing. Superbe. Là-bas, il y a un truc. Un rappel, ça sert toujours. Peut-être acheter quelques Super Bowl, quoi, du coup. Pas toi, lui. On va prendre quelques-unes. Allez, vite. À la prochaine. Hop, alors, qu'est-ce que c'est? J'ai dingue des capacités, je connais quelques CD. J'ai un ciel champignon. Rapporte-moi deux petits champignons ou un gros champignon, je t'offre. Ok. C'est Zelda ou comment ça se passe? Où est-ce que l'hostel est encore passé? Vegel est devant déjà être là avec mon repas. Ah bonjour, tu connais l'hostel? Tu as vu, elle devait déjà là. Merci, idiote, j'espère que Ira est arrivée. L'hostel, je t'en prie, aide-moi à aller chercher sur l'île 3. Ah, c'est quoi cette salle de jeu, ça craint vraiment. Les imbéciles disaient qu'ils m'attendent sur l'île. Où est-ce qu'ils sont? Et toi, c'est bien la salle d'île 3 ici, non? Vous les avez avant de sortir de l'île, crétin. Tu es sur l'île 2. Allez, pars d'ici, ramène ta fichue moto avec toi. Ah oui, non, c'est l'inverse. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, je ne fonctionne pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces endroits-là? Ils me donnent des quêtes FedEx, là. Première fois ever après le colis de chaîne. Dans Cap Falaise. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur cet endroit-là? Des rapaces de pique encore. S'il y a un petit Elector, moi je dis pas non. Hein. Elector, je le Master Ball. Les autres, je m'en fous, mais Elector, je le Master Ball. Laisse-moi partir. Il va pas me laisser partir, ok. Eh ben dis donc. Alors. Ça, la vieille fille. J'ai amélioré la capacité ultime de ce type. Quelqu'un voudrait-il la prendre pour plus tard? Sans plus le faire, non, c'était une erreur. Hein? Pokémon. Je change. Ordre. Paf. Ah, c'est lui le Pokémon. C'est un Dracofeu, mais bon, tu es d'accord? Laisse continuer. Rafale feu. Oui. Alors, en quoi ça consiste Rafale-feu? 5 sur 5. Ah! Mais c'est mieux que déflagration.
puissant, mais immobilise le lanceur le tour suivant. Ah! Ah ah ah! Mais c'est vénère en tout cas. C'est ultra vénère. Mais non. Et avec un autre, est-ce que ça marchait? Que quoi? Tu n'es pas d'accord? Avec une autre, est-ce que ça marchait? J'aurais envie de lui fouiller. J'aurais une attaque haut de la mort là. Ah non. Je sais pas. Non, mais rafale feu. Ok, et bah allons sur l'île 3. Bizarre cet endroit, hein. The Flesh of the Mer. Oula, y a des racailles partout là. On va vous les débarrasser. Les Canto Angels, vroom 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 vroom. Ah ouais, d'accord. Mais madame, t'auras pas du liquide sur toi? Ah, qui êtes-vous? Je vais appeler la police. Voyou. Ok, je peux même pas la défendre, la pauvre. Chemin, île 3. Et là, comme ça, tu vois ce que je fais? Je suis chercheur d'or. Je chercherai une maison à Canto. Et là, je trouve une pépite. Que je lui pique sous le nez. Bizarre, bizarre, bizarre. Yaha, à partir de jeu, cette île nous appartient. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la guerre. C'est la guerre. Si on broyait des baies, il y en a tellement au bois des baies. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu le bois des baies avant là-bas. T'es courant, notre réseau pour enfin se connecter au PC de Canto. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est génial. Surf ne peut être pratiqué. Beaucoup trop de courant, oui. Oui, oui, oui. Pierre rare. Bah, prends-les, y'a personne. Loul. Installe le chef de cette bande, repartez pour Canto maintenant. Ah ah! Hop, c'est dommage, je viens juste d'arriver. Quel manque de courtoisie, tu arriveras presque à m'énerver. Votre grand rang de motard a semé la panique depuis son arrivée. Est-ce que vous vous rendez compte des problèmes que vous créez sur cette petite île? Ah non, mon gars, je me rends pas compte du tout. Regarde autour de toi, y'a rien à faire ici. On vous apporte un peu de changement. Si tu tiens tant à retrouver ta vie ennuyeuse, tu peux toujours essayer de nous faire partir. Mais bande de lâches. Faites les durs parce que vous êtes en groupe. Allez, défoncez. Tu tiens vraiment à ce que je m'énerve? Oui. C'est Gabin. Gabin le motard. De Smurf là. Peut-être que j'allume la lumière. Ça commence à faire mieux. Voilà. Hop. Défoncer les yeux avec ces conneries. Laisse pas de te moquer. Ah tiens, d'un autre côté. Ah oui, donc on va tous se les friter là, ou comment ça se passe? Smoko. Encore Gabin? Il n'y a que des Gabins. C'est tous des Gabins.
Ah bah c'est que des gabins. C'est full gabin. C'est le gang des gabins. Ah, le boss. Bah t'es qui? Tu vas prendre, tu vas te battre à leur place. Et qui est? Ah, c'est Kevin, le loubar, bien sûr. Forcément. Donc, c'est des petits coups d'hydrocalon là. On va sentir ça passer. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le petit salaud. Changement de stats ont tous été annulés. D'accord. Petit gros tas de morts pour suivre. Le classique. Au 39. Hein. Oh l'enfoiros. Maître enfoiros. Loubar Kevin est décédé. Alors de ses bouseux de façon. Pardon, tu charges l'hostel, elle est partie vers le pont du lien il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pont du lien, mais ça sera... Et là, en fait, il y a... En fait, il y a la 2G et la 3G, toute l'aventure derrière. Je m'appelle pas l'hostel, elle peut être au bois baie. Il y en a souvent des baies. D'accord. Arrête de rentrer dans les maisons. Si. Je vais aller dresser mon dos du haut en bois baie. Quand elle est revenue, on ira jouer sur l'île 2. Bon. Au shop, on va déjà acheter. Moult. Hyper Ball. Voilà. Tac. Se plaise là. On y va. 20. Voilà. Oh, des max repousses aussi. Des max repousses. Ouais, ouais. Allez, 10. J'ai tellement de thunes. Pour le mon victoire là, la route victoire. Ça va servir. Papa, arrête pas de mentir, hein, que j'aille jouer dehors. Tu ne dois jamais aller au bois baie, parce qu'il y a beaucoup de fantômes. Ah, est-ce qu'il y a des ectoplasmas? Si oui, je prends. Ah, gne, 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 j'arrive pas à plier une petite cuillère. Utilisez pas quand même si c'est bien ça, oui. C'est super mignonne. Défoncé avec des Pokémon.
aroma. Il faudra ça, ça. J'ai jamais eu d'aroma truc. Beaucoup de choses étranges dans ces coins-là. Oups. Tu t'occupes vraiment bien de tes Pokémon. Oui. Il y a beaucoup de dresseurs là. Le bois baie. C'est une vraie zone et tout quoi. C'est ouf. C'est ouf ce qu'ils ont rajouté quoi. Est-ce que ça permet de pex et tout? Parce que si Road Victoire en fait ils sont basés sur le fait qu'on doit faire cette zone bien, on va devoir la faire. Ça ne me déplairait pas. Des boostiflores, putain je me suis fait chier à le up. T'en trouves des niveaux 35 direct quoi. Au secours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des roucoules. Pourquoi le niveau 32 quoi? Le mec il retourne à Kanto là, pour palette. Il truine le village. Tout seul. Là, il y a Celebi. Bien étrange tout ceci. Un Mimitos niveau 1000. Partout. Attention aux Pokémon sauvages attirés par l'épée. Ah. Aidez-moi, mission Pokémon, n'arrête pas de m'embêter, j'ai peur. Je vais rentrer chez moi. Oh, il revient encore, non, je veux mon papa. C'est un soporifique ça. Hypnomade. C'est quoi le record pour le moment? Ouais, c'était autour de 13h. Mais voilà, je suis de plus en plus sûr que je pense pas durer les 24. Je pense même que quelle heure il est. Ah, j'ai essayé de finir Pokémon ce soir, mais j'ai des doutes là. Ma voix commence à prendre cher. Mes yeux aussi. En même temps, j'ai un peu fait le truc à l'arrache. Hein. J'ai absolument pas préparé de provisions plus que ça. C'est vrai que des energy drinks, ça aura pas été de refus. Ouais, 2 fois 12 heures, ça va. Ah, je pense pas que je
2 fois 12 heures en 12 jours. Je sais pas si c'est pire en fait. Si c'est pas pire que faire une fois 24. Allez, Hypnomade. Week-end prochain. Doucement, doucement, doucement. Peut-être pour la centième, pour la centième émission. Là, on est à la... On est à la 66 ou 67. Peut-être pour la centième. Ce sera en août, logiquement. Il fera méga chaud. Superbe. Alors c'est vrai, l'hostel a été sauvé grâce à toi. Comment te remercier? Ah, pardonne-moi. Papa, je savais pas que tu étais en danger. Ah, tout va bien, papa. Ah, grâce à Michel. Je suis sûr qu'on se reverra. Et... La météorite, ok. Le météorite. Pas la météorite. Je vois, ça vient de Léo. Merci de sa part. En fait, j'ai quelque chose pour toi, pour te remercier. La pierre lune. Viens me voir avec des amis. Non, mais c'est... En fait, ça débloque juste un truc de multi. En tout cas, on a 50 Pokémon. On peut aller chercher le... Ah merde, je suis décédé. Je suis empoisonné. Juste aller soigner ça. Mais... En tout cas, on a bien avec le million. Ouais, qui va gagner, c'était cool. C'était cool et on a appris des trucs. On a appris des trucs. Ah ouais, non mais oui. Ouais, ok, c'est des jeux multi. Ça ne sert à rien, malheureusement. Malheureusement, ça ne sert à rien. Allez. Pokémon. Dracaufeu, vol. On s'en va. Ah merde. Attends, il y a quoi là? Ah non, le bois baie, oui, d'accord. Ok, on va... Bon, je pense qu'il faut reprendre le ferry, du coup. Ah non, il y a lui qui va me parler, là. Oh, Michel! Oh, qu'est-ce qui t'a retenu comme ça? J'en ai terminé les PC, faut que ce soit merveille. C'est un vrai pro, il a réussi à tout mettre en ligne en rien de temps. Ah, oh, c'est vraiment rien... Tout ça, c'est grâce à Cléciléo. J'aurais rien pu faire seul. Oh, merci! Bon, maintenant que tout fonctionne, on peut repartir pour Kanto. À bientôt. Oh, je suis vraiment de passer tout le temps sur PC. Pour le prochain, je te vais visiter les îles. Bah oui, bah... Mais... Ok, voyage. On dirait que Cileo apprécie beaucoup ta compagnie. Je suis sûr qu'il sera content de te revoir. Si tu as le tripass, tu peux reprendre le ferry depuis Port de Carin-sur-Mer. Allez, merci pour le voyage. D'accord. Ouais, mais j'ai... Ça sert à quoi, les trucs des ordi, en fait? C'était juste un moyen scénaristique de faire passer le temps. Je sais pas. En tout cas, let's go Giovanni là. Pas le temps de niaiser. Giovannisation. Hop. Hop. Demain, franchement, je pense pas. Je ne pense franchement pas. Occupé chez moi, j'avais du ménage à faire. J'ai une borne à essayer de remettre en place. Une borne pour le bar. Ouais, donc je ne pense pas. Un blédina à trouver. Ah ouais. Pour le prochain marathon, le blédina sera sur la table. Promis.
après 24 heures, bah, comme dit, je pense pas faire les 24 heures. Mais de toute façon, non, je ne streamerai pas demain. Hop. Allez. Giovanni Panzani, là. On va mettre Ampiflore au début. De toute façon, au pire, il faudra aller train sur le truc. Sera le plus dur de tous, si le type sol. Non, c'est pas le plus dur de tous. Il va faire 36. Oh, ça, je... Franchement, maintenant, je peux plus. Je pense que peut-être il y a 10 ans j'aurais pu faire des conneries comme ça, mais maintenant c'est impossible. Mon record en restant éveillé c'est 44-45 heures. En faisant deux soirées en plus, mais plus jamais. Je peux plus faire ça. Même lui il te dit tu dois être fatigué. Le problème c'est ça, c'est qu'il... Même avec de la volonté, ça reste quand même vraiment pas bon pour la santé de faire des trucs comme ça. À moins d'avoir un entraînement. Mais ouais. Quand on est vieux, on est vieux. Bah, c'est ouf quoi. Je pensais pas que 30 balais c'était déjà... Ça pesait autant... Ça me dérange pas, mais ça se voit quand même au physique qu'on prend quand même déjà cher, quoi. C'est assez ouf. Vivement 40. Je me demande si ça se stabilise pas en fait pendant un petit moment, et après à partir de 55-60, là tu commences vraiment à douiller. On verra. Après tout dépend aussi. Là moi je fais plus de sport et tout, ça aide pas. Bon, si j'aimerais bien reprendre ça aussi, mais là la volonté elle est pas là du tout. Pour le sport, la volonté elle est absolument pas là. À 40, tu commences à avoir mal partout. Ah bah, c'est déjà parti pour moi. Yuji. Croire, la colère m'envahit, viens te battre. Faire plus de switch mais fit ouais de Ring Fit Adventure, mais ouais carrément, mais faut se motiver quand même pour le faire, mais il faut absolument ouais, que j'arrive à me motiver à faire ça. Quitte à remplacer une heure de stream le matin par une demi-heure de Ring Fit et une demi-heure de récup, faudrait que je fasse ça. Mais la motivation, c'est chaud là-dessus. Pouic, 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 pouic. Yuri. Un petit rhinocœur. Putain, on est très très proche niveau là. Niveau. Ouais. Niveau
45. Lui, il est 45. Il y a moyen qu'il dépasse les 50, le Giovanni. Hein. Alors que ça redrop à l'infini. Wolfgang! Ya! Ouais, il est pas mort. C'est le jeu. Tellement mal avec que deux fois. J'aurais dû prendre. Allez, là il va me tuer, je pense. Si je le tue pas, il le tue. Ok, il est mort. Ouais, ça drop. Ça drop sévère. Ça drop sévère. Une bonne potion là. Sac. 50 PV, 200. Ouais. Hyper potion là. Pour la moitié de son utilisation. Allez, let's go, lance soleil là. Je rayonne. Et j'envoie la sauce. Et nos cornes. Rip. Non, pas chez moi. Point de rip chez moi. C'est pas très efficace. Ah oui, c'est poison. C'est poison. On change. Ça s'en va et ça revient. C'est louche. Ouais. Petit surf, on n'en parle plus. J'ai monté niveau 47 comme ça. Gladiator. Flat Earth conspiration. au moins. Nidoqueen. Regardez. Petit grand canon. Ah, donc il est seul poison quand même. Ok. Je suis le roi du karaté. Takashi le karatéka. Vas-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait battre Marcy, mais il est tellement devant tout le monde. Oh, fait mal le petit con.
J'ai battu le karatéka. Et salut Pafingers TV, tu es de nouveau sur mon live. Bah écoute, ça va très bien. Salut à toi. Ça va très bien. On est sur un petit marathon. Bon, j'avais prévu 24 heures, mais je pense pas les faire. Mais écoute, on va essayer de finir Pokémon. Ça sera déjà bien. On est sur la dernière arène. Mon objectif du marathon, pour l'instant, c'est de terminer Pokémon. C'était juste pour faire un stream long. Voilà. Et ouais. On va essayer de terminer ce Pokémon. La dernière arène, il nous reste la route victoire et le conseil. Voilà. On va essayer. J'ai commencé à 9h ce matin. Je t'avoue que j'ai démarré le truc un peu à l'arrache. C'est pas la méga forme. Donc je vais pas pousser le truc bêtement quoi. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, Pafinger. Je vois également que tu as sur ton relais de noter exactement. Alors, le but, c'est d'essayer de terminer tous les jeux GBA. Pas ce soir, hein, je te confirme. J'ai commencé ça en mars dernier, ouais. Ça fait 3 mois. Le but, c'est d'essayer de tout terminer. Dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui sait. Un jour. Et à chaque fois que je termine un jeu, il y a un tirage au sort. Il y a un tirage au sort et c'est les gens du chat qui choisissent les gagnants, qui choisissent le jeu. Et donc il y a 1051 jeux, ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Il y en a des fois que j'enlève parce que ils sont en Jap. Bon, là, normalement, tous les jeux de Jap et trucs que je peux pas faire parce que je comprends pas le japonais, je les ai enlevés. Mais tous les jeux, normalement, tout ce qui est jeux américains, enfin européens, américains, ça, normalement, y'a pas de soucis, je vais les faire. Y'a plein de genres de jeux. Ah, oui, bah, t'as à peu près tout. T'as vraiment tous les genres de jeux. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais c'est cool, c'est cool, c'est un bon défi, je trouve. Tu as enlevé les jeux nord-coréens. Ah, si seulement il y en avait. Peut-être des fan-made nord-coréens. Bah, en même temps, ça pourrait arriver. Vu qu'il y a encore des jeux Mega Drive brésiliens qui sortent, qui sont sortis ces dernières années. Une espèce de Romac mal branlé, ça c'est drôle. Oh mais je vais crever. En fait. Des jeux récents sur Mega Drive. Non, ouf, j'ai juste la chance d'attaquer en premier. Ouais. Il y en a encore qui sortent. Après, là, il y a des trucs moisis du fin fond des garages. Mais il y a aussi des vrais jeux des studios indépendants qui développent vraiment sérieusement des nouvelles cartouches et tout. J'ai pas d'exemple sous le nez, mais je crois que. Assez récent, il y a des jeux indés qui sont sortis sur Mega Drive, sur Super NES, peut-être pas sur Super NES, mais Mega Drive, parce que Super NES, Nintendo, ils sont encore un peu Doom Eternal sur Mega Drive. Non mais faut pas déconner non plus.
Je comprends pas pourquoi, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, non, c'est juste... voilà, c'est du... C'est vraiment du fanservice. Hein. Et ça marche plutôt. Ça se vend des fois. Alors, par où? Je pense que c'était là-haut. Tac. Ah mais non, mais lui, il s'est déplacé maintenant. Il faut que je refasse le tour. Ouais, vite fait. Bah... Ça se vend aux fans, ouais. Allez, sauvegardons. Je sais pas si je l'ai battu, lui. Ah oui, je l'ai pas vu. Et salut Otari. Salut. Ça me rassure de voir du bon français en faire de même. De quoi donc? Oui. Pouic. Putain, il en a combien? Ah, putain, il en a 5 lui. Bon, ça va bien me up. Amplifort, rack son attaque. Comment ça? Interdit. Ouais, il y a 95. Ah, mais ça juste au-dessus, j'ai pas vu. Si certains marchent, d'autres font un beat monumental, ça dépend. Ah oui, dans ce sens-là. Toi qui penses être le seul à streamer les jeux GBA. Ah non, il y en a d'autres. J'ai vu... Bah en France, ouais, j'avoue. En France, je suis pas sûr qu'il y en ait des masses. Au niveau rétro, il y a ce qu'il faut. Au niveau rétro, il y a ce qu'il faut... Ouais, en français, bah comme dit, ouais, il y a les Shiny Hunter sur GBA de Pokémon. Mais sinon, en jeu GBA, pas sûr. Notre site PS1 PS2. Il y a un viewer qui vient souvent ici, DC Man, qui fait de la Dreamcast. Qui fait aussi le défi Dreamcast. GameCube, ouais, il y a pas mal. PS1, PS2, j'ai pas trop vu. Mais ça doit sûrement exister. Nidoking. Un petit lance-soleil là. Intérieur, extérieur, faut ce qu'il faut. Aïe, je vais crever. Rip. Tant pis que ça, la vengeance. C'est là qu'on voit que Nidoking c'est vraiment quand même bien cheaté, même à. Même à bas de niveau, quoi. Ouais. Ah, j'ai oublié d'aller chercher le multiplex. Faudra que j'aille le chercher. Je vais aller le chercher tout de suite, là, d'ailleurs. Je sais plus où il était. Il était à Safrania, je crois. On va aller chercher ça. J'aurais dû le prendre avant. Un petit multiplex. Ça va faire du bien. Pokémon, petit drac au feu va m'emmener à Parmanie, ouais. Écoute, tu m'as l'air fort sympathique, je follow. Ah bah ça c'est très gentil, merci pour le follow. Je reviens de voir fréquemment tes lives.
Tes heures de taf sont telles à restauration rapide. Ah oui, je bosse aussi dans la restauration. Mais aux horaires bar, mais pas là. Pas pour l'instant. Mais merci en tout cas. Merci d'être passé, c'est cool. Et je regarderai ta chaîne aussi. Avec grand plaisir. Voilà, le multiplex. Très bien. Très bien, très bien. Alors... où est-ce qu'il est ? Multiplex... Mais je le vois pas. Il est dans les objets normaux ? Mais... au secours. Ok, il est dans les objets... On peut en avoir plusieurs, en fait. Comme barman serveur, multitask en fait, dans un bar gaming de Colmar en Alsace, si jamais tu as l'occasion de passer. Ça s'appelle le Checkpoint, on vient de réouvrir il y a 2 jours là, après la longue pause Coroned, et ouais, et du coup là ça reprend doucement, mais sûrement. À qui on va donner le multiplex? J'ai envie de dire le Ampliflore en fait. J'ai pas du tout par chez moi. D'accord. Alors si t'es pas dans l'Est, ça veut dire que t'es bien à l'autre côté. Dans le sud-ouest, allez. Au hasard. Ok, let's go. Plus côté Bretagne. Ah, cool, cool. Et tu passes souvent sur Belfort. Ah. Les Belfortins. Plus avant, on a joué à qui veut les millions. On a eu la question... que représente la statue créée par Bartholdi qui est à Belfort? Bartholdi colmarien, ça c'est beau. Et Belfort... le lion. Qu'est-ce que je fais? Vol, oui. Oui. Volons. On va retourner à Jadiel, du coup. Ah, j'ai peut-être... je vais peut-être mettre plutôt le multiplex sur Dracaufeu, alors. Peut-être parce que là, il va pas combattre souvent, vu qu'il y aura beaucoup de Pokémon pierre et de conneries comme ça. On va peut-être plutôt faire ça. Objet, prendre. Dracaufeu, objet donné, multiplex. Voilà. Alsace, oh, contre. Ça y est. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la vraie poésie. Maintenant, tu nous l'as fait en alsacien. Hop là. Elsass. C'est recrute. Je parle pas alsacien. Je connais les expressions. Mais... Kopfertomi Elsass. C'est beautiful. Hop là, guys. On mange bien, on boit bien. Il y a de la bonne bière. Et allez. Faut juste pas aller à deux bars. Mais c'est ça. Généralement, quand on vient au check à 2, on repart à 4 pattes. Ou pire. T'as des pertes d'image? Ouais, j'ai des gros soucis de co là depuis ce matin. Ça,
Ça me saoule un peu, mais voilà, je fais avec. Je fais avec. Mais il va falloir que je rappelle mon fournisseur, parce que là... Ça doit faire 10 fois que je le répète pendant ce live. Il y a 2 semaines, tout allait bien. Pendant 2 mois, et là, depuis 2 semaines, c'est la loose. Ou alors, faudra que je revoie mes réglages sur Streamlabs. Peut-être ça aussi, peut-être qu'il y a eu une couille à un moment. On en verra. Allez. Ma, te voici dans mon repère. Je voudrais reformer la Team Rocket ici, mais tu as encore fait tout rater. Je suis furieux, c'était un mauvais signe pour toi. Une fois de plus, tu vas me défier, moi. Le grand Giovanni. Mais aujourd'hui, tu vas regretter. Oui, bah, c'est pas comme si c'est la 3e fois que je vais te casser la gueule parce que t'as les mêmes trucs. Allez, let's go. Misons sur des lance-soleil à infini. Au pire, on le soignera. Une grimace. On s'en fout. Même si la vitesse, c'est quand même important. Quoi comme config PC? Alors, bon, j'ai une bonne bête quand même. J'ai un i9. Un i9, une RTX 2080. Un petit SSD. Je sais même plus si j'ai 16 ou 32 Go. Mais c'est vraiment la co qui merde. Et je stream la GBA sur Visual Boy Advance. Donc c'est vraiment pas les jeux qui sont gourmands là-dessus. Et voilà, après j'ai un double écran. Voilà, un micro. Micro, c'est quoi ? Je sais plus ce que c'est. C'est un ProDip branché sur une Yamaha MX-MG 10XU. Voilà. Je vais tout savoir. Et mon casque, c'est un Bose. J'ai une marque différente pour chaque truc en fait. Histoire d'être bien. D'être bien avec toutes les marques. Aïe aïe aïe, séisme, ça c'est pas bon. Hein. Tu pourrais upper le taf du PC pour limiter les besoins de connexion. Ouais. Mais ouais, pourtant. Mais c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment la. C'est vraiment le fournisseur parce que. Je suis censé avoir du 500 mégas et. J'ai des gros pics en fait de lag quand je fais sur les tests, les speed tests, les trucs comme ça. Donc voilà. Pour conserver un maximum la qualité tout en augmentant l'encodage. Ouais, mais si la connexion suit pas, malheureusement, j'aimerais bien faire tout ça. Streamlabs. Pour l'instant, ça me suffit largement. Ah merde, je suis TCP. Ça me suffit largement, Streamlabs. C'est pas le truc le plus opti. Mais sinon, je passerai sur OBS. Ah, ça continue à drop à l'infini, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Parce que toute la journée, il n'y a pas eu pire. Bon, au moins les VOD sont clean, ça c'est le principal aussi. Enfin, pas le principal, mais au moins il y a ça qui marche. Allez hop, ça décède. Tu pourras tester sur des jeux peu gourmands uniquement de passer ton réglage comme suit pour limiter les besoins de connexion.
Ok. Ok, d'accord. Je savais pas que c'était possible de transférer ça. Allez, Nidoking. Aïe aïe aïe, Mania, ça fait toujours mal. Il est paralysé, merde. Bon, allez, il se confuse là normalement. Allez. Est-ce que ça tue? Ça tue. Un coffre niveau 48. Très bien, très bien. Eh, j'ai battu Giovanni! Voici le budget. Voici le budget terre. 5000 balles. Grâce au budgetaire, tous les Pokémon obéiront au trésor. Il est la preuve de ta grande maîtrise Pokémon. Tu pourras ainsi accéder à la Ligue. C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant et deviens le plus grand des dresseurs. Il a quand même un bon fond, ce Giovanni. Hein. Séisme. J'ai créé il y a bien longtemps. Ok, bah c'est parti. Trop de victoire, nous voilà. Let's go. On a des repousses pour tout repousser. J'ai un DL sur OS, je t'aurais dit, ok, ça roule. Je prendrai un screenshot du chat pour noter ça. Parce que je suis en ADSL, en bout de ligne, et je sais comment limiter les pertes tout en vous prononcerez en 720p. Ok, d'accord. Bah, ça m'intéresse grandement. Même si, enfin, avec la connexion que je paye, je trouve ça inadmissible quand même, que je doive en arriver là. Allez, Richie, gros carnage. Oh, niveau 47. Ah ouais, non, mais en fait, il est vraiment high level, quoi. Je dois farmer, je pense pas que je finirai le jeu ce soir. Il y a moyen que je dois farmer. On verra. Tu MP ça? Ah ouais, avec plaisir. Tu veux MP ça? Je regarderai ça après le stream. Tortank, oui. En vrai, aller choper Elector, ça serait pas déconnant. Sur Discord, c'est... Quel est mon petit nom? C'est Yakis. Y, ah, c'est K, c'est E. Y'a qui s'agnisse. Putain, super efficace et je lui enlève un tiers de life, quoi. Ce con. Je me soigne. Non, j'ai encore des. Encore des petites limonades là. Qu'est-ce que c'est ça? Allez.
Ah, il y a. Attends. Alors, je sais plus du tout mon gamer tag. Enfin, mon gamer tag, mon Discord tag. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Voilà, copied. Bon, je te. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça, c'est. Tu peux copier-coller ça. Ah, je traîne pas trop sur Discord, mais. Trancher. Il a dit quoi? À la Kazam? Poudre de dos là pour. Ah, il va me balancer une pression, ce salaud. Aïe aïe aïe, ça devrait le faire. Quand même, hein, quand même. Ah, il se réveille. Psycho, ah, je suis mort. Fais chier. Fais chier, fais chier. Let's go, vite fouille. Oui, bah en dessous de la chaîne, tu as le Discord de la chaîne. Au pire, tu l'envoies là-dessus directement. Caninos, je peux du drocanon aussi. Hein. Vipfou rate son attaque. Voyons. Voyons, voyons. Paf. Il lui reste qui? Il lui reste qui? Gros carnage, il l'a déjà envoyé. 9-9, ah oui, il a pas encore son. Il a pas encore son noix de coco. C'est un bon échauffement. Alors vas-y, il faut que tu t'entraînes plus. Je crois que tu commences à le savoir. Mais pourquoi il devient sympa là maintenant lui? Il commence à comprendre qu'en fait on va l'exploser. Je me souviens pas qu'il devenait aussi sympa dans RJB quoi. Le meilleur moment, c'est à la fin quand Chen lui dit, professeur Chen lui dit, je suis extrêmement déçu. Je pensais que c'était toi qui allais gagner. Mais le temps que j'arrive, tu as déjà perdu. Et là, bam! Là, c'est coup dur. Hein. C'est coup dur pour Régis, c'est coup dur pour Richie. Ah oui, alors faire au singe niveau 4, c'est bon. C'était il y a 18 heures.
Ok, c'est parti. On va filer tous les badges. Le mec il fuit, genre il a peur. Oui, tout c'est vrai. C'était pour le laisser en vie, sinon je l'écrabouillais là. Il restait de la pâtée là. Comme dans le manga. Dans le manga papier où les Pokémon se font couper en deux et meurent. Tout simplement. Ça c'est beau. Allez, on tente un cool de mort là. Un Ramolos. Il y en avait là. Il y en avait là des petits Ramolos. Badge marais. Ah, c'est le badge marais. Oh, ok. Quel incroyable retournement de situation. Ok. Alors ici, il y a des trucs sympas de souvenirs. Non. Quoi peu. Non, il y a des rapaces de pique ou des conneries. Voilà. En fait, il y a tout ce qu'il y a sur l'île nulle là-bas. Et je crois qu'il y a aussi des Ponyta, des machins. Ouais, donc en fait, non. Poète. Batchter. Oh, c'est le Batchter. Bravo. Je peux passer. Allez, c'est parti. La route victoire. Dernier donjon. Avant. Conseil. Et là, on va défoncer tout le monde jusqu'à ce qu'on en ait marre. Voilà, j'en ai déjà marre de lui. Non, je vais utiliser des repousses, hein, Osef. Osef, j'utilise full repousse. Max repousse, j'en ai 11. Voilà, on va pas se faire chier. On va pas s'emmerder. Et ça continue à drop, hein. Je sais même pas si ça s'est raté un jour depuis avant. Je suis à 100 alertes de drop. 100 alertes de drop. Si ça c'est pas... Ça c'est pas sympathique. Allez. On va battre les dresseurs par contre. On va tous se les friter. Ah, t'es aussi malaise que moi ? C'est drapouille, ça revient. Ouais. Ouais, j'ai que perdu 39 000 frames depuis la dernière déco. Niveau 42. Persian. Marcy. Mars attaque. En vrai, j'aurais tellement dû faire que EP Monsieur Mime pour voir si ça passe à la fin. Ça aurait été tellement drôle de défoncer tout le monde avec juste Monsieur Mime. Casse-brick. Elle commence à être faible cette attaque. Il faudrait que j'aille. Ah, mais oui! Aller apprendre l'ultima point là. Chez les deux petits gars. Près de Azuria. Goupix. Numéro 49. Allez, on va quand même jouer le jeu des types.
pense qu'on peut s'en sortir avec tout le monde à 50. Pierre, je distribuerai des super bonbons. Bonita, on va garder. Et galopa. La totale. Je sais pas si c'est OS. Ah si. Ouais, niveau 42. Ouais. Ouais. Alors. T'as l'air de savoir te battre. Je vais en avoir un cœur net. Ils ont tous 1000 Pokémon. Tu m'as MP les détails complets via MP Discord. Et c'est parfait, je te remercie, c'est cool. Je vais jeter un coup d'œil tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure ou demain. Tout à l'heure, je pense que j'irai dormir surtout. Putain, il me met la douille là. Ah, il faut que je change d'attaque de combat là, ça va plus. Ça ne va plus. Carabaf, c'est une affaire pour. En piflore, tout à l'heure en pot des vagues. N'hésite pas à me poser des questions, à me demander quoi que ce soit, je serai pour te répondre à la question. Informatique, c'est ton dada contrairement à Arthur. Ok, excellent. Excellent. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci si j'ai un souci ou un truc. Ok, rip. Rapincelle. J'ai failli envoyer le mauvais. Le missing put. Je suppose qu'il a toutes les mid évolution. À mon avis, après il va nous sortir. Oh, j'ai loupé. Il va nous sortir Air Bizarre. Hein. Aucun doute. Déjà 13h45. Record est battu officiellement. Paf. Au feu, tu vas t'en occuper. Pas du tout. Ah, sur 24 heures, c'est à peine un peu plus que la moitié, donc c'est pour ça que je vais pas les tenir. Je ne vais pas les tenir 100% sûr. Il y a un drac au feu, le petit gars.
Pourquoi j'ai pas changé? Je ne sais pas. Hydratation. Il reste plus qu'à battre mon record durant marathon à but caritatif. Ah! C'était combien? Cinq... Oh non mais laisse tomber. Laisse tomber, moi je tiens pas... Je peux plus. Comme je disais avant... Il y a 10 ans j'aurais peut-être pu faire ça. J'ai dormi 29 heures après... Oulalalala. Ah ouais non là... Ah, il y a 10 ans peut-être j'aurais fait ça. Mais là maintenant plus jamais je fais ça. Plus jamais je fais ça. Bon, c'est pour la bonne cause, ouais. Mais chaud quand même. 58 heures, 37 minutes, 24 secondes. Mais tu t'es effondré comme une larve après. Quand tu t'es enfin réveillé, t'es... Bah, en plus, je crois qu'après genre 36 heures, un truc comme ça, bah, ton cerveau, il commençait à réagir... Il commence à réagir comme si t'avais un bon gramme d'alcool dans la gueule, quoi. J'ai 29 pour pour info. Ouais. Chut. Moi j'en ai 30 là, mais je peux plus. Marathon sans dormir. Alors que j'aime bien, j'aime ne pas dormir. Mais ouais, chaud. T'étais vraiment pas bien du tout. Ah ouais, non mais je comprends. Je comprends. Le cerveau là. Ouais, il est pas bien. Le marathon où tu dors. En plus, dormir 20. Mais non-stop, dormir 29 heures. C'est chaud quoi. Dormir 29 heures d'affilée. Je pense que même après ne pas avoir dormi pendant. Enfin, c'est sûr. Il y a des jours, enfin, ces derniers mois, il y a des jours où j'ai pas dormi après 24, enfin, j'ai dormi après 24 heures. Mais non, maximum, je dors 8-9 heures après ça. Reprendre. Marathon de sommeil. Aïe. Je vais le soigner. Hein. Pas prendre le risque. Potion max. On revient au même que. Bon, une petite limonade, ça devrait suffire pour l'instant. Tony Wright, qui est alors âgé de 42 ans, a tenu 266 heures sans doute. Ouais, mais ça, j'ai vu des mecs faire des marathons Netflix. Ou des mecs qui ont fait le marathon marathon Marvel et tout. Pouah, les gars, c'est des tarés, quoi. Déjà, le marathon Seigneur des Anneaux, c'est chaud. Version longue. 11 jours. Ah oui, 266 heures, ça fait 11 jours de suite. Après. Après, il y en a qui ont des. Génétiquement, qui ont pas besoin de dormir, quoi. Paraît-il. Marathon Seigneur des Anneaux en livre. Ouais. Ah, et c'est encore pire. C'est aussi bien, mais pour tenir, voilà. Parce que rien que le début, les 50 premières pages où il te décrit comment qui marchent les hobbits, comment que ça vient hobbit machin, faut s'accrocher, hein. Quand ils arrivent à la Moria et que commencent à te décrire sur 60 000 pages telle gravure et comme telle gravure,
C'est excellent, je dis pas, mais... faut s'accrocher pour enchaîner plusieurs trucs comme ça. Hop là. Soporifique. C'est vol. Hein. Scandaleux.com. On va dodo, c'est l'âge. Ouais, bah oui. Comme je vous comprends. Et bonne nuit, merci en tout cas. Merci en tout cas d'être passé, Roseray. Non, 10 heures restantes, non, je les ferai pas. Sûr que je les ferai pas. Je pense qu'à 1h du matin maximum, je reste. Et j'ai pas vu ce qu'il allait appeler. Le début est sacrément long. Tellement de détails qui sont pas fournis à le cinéma. Ah oui, non, mais totalement. Totalement. Oh, j'ai redébranché ma manette, fais chier. Que je bouge un peu ce câble et l'émulateur il est pas plug and play et ça c'est chiant. Hop là. Faut que je redémarre l'émulateur. Hop. Bonne nuit en tout cas, merci. Ah ouais, mais les versions cinéma du Seigneur des Anneaux, j'arrive pas à leur trouver de défaut. C'est juste parfait, quoi, l'adaptation est juste parfaite. Il manque juste Tom Bombadil, quand même. Voilà. Petit Tom Bombadil, ça aurait été cool. Même si c'est juste un brasseur dans le dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais moi j'adore ce personnage. Tom Bombadil et Bédor, j'adore tellement ces deux personnages. Tac. Donc vol, on avait dit. Ah bah non, ça marche pas. Elle n'a pas fait du bien non plus. Hein. Pouette. Allez, Kadabra. On va continuer avec Dracofeu. Soin. Est-ce qu'il est vraiment top dresseur, lui, pour commencer son truc par soin? C'est impossible de tout détailler sur un film. Ah non, bah oui. Une série, ça serait le seul moyen. Mais j'ai hâte de la série Amazon quand même. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Newsock Challenge en ce moment sur Rochefort. Bah justement, en fait, c'est cool ça. Mais comme dans le défi, bah il y a toutes les versions. Il y a Rochefort que j'ai encore à faire, Ruby Saphir, Émeraude. Et ben sur les versions alternatives, à chaque fois je fais un défi. Donc là sur Rochefort, quand on me le donnera, je vais faire un Newsock Challenge. Ruby Saphir, Émeraude, je vais faire un en normal. Je pense Ruby ou Saphir, je vais faire en normal. L'autre penchant, donc Ruby ou Saphir, je vais faire en Newslock. Et Emerald, je vais le faire en Attraper les tous. Voilà.
Tout en full random. Ah, ça. Malheureusement, j'aimerais bien faire le full random, mais je prends que les versions officielles pour le défi. Mais c'est clair que j'avais fait un émeraude en full random, c'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle. Quoi. Persian, merci. Un Mewtwo level 2 type poison. Ah oui, donc vraiment full random. Ok. Ça c'est. Faut y aller quoi. Bah je fais Newslock sans mode. Je le fais avec la version normale, mais en m'imposant les règles, sans que ça soit une cartouche modée quoi. Une ROM modée. Sac. C'est un hardcore. Bah, je pense bien. Je pense bien que. Bon, en vrai, moi, je me donnerais. Je me donnerais le Pokémon de rap si jamais tous décèdent. J'ai le droit d'en reprendre un, j'ai pas envie de reset. J'ai pas envie de reset le jeu à zéro. Quoi. Toujours plus de défense P, d'attaque P, c'est cool. Rune Protect. Voyons voir ce que ça fait déjà de nouveau. Tout changement de statut. Ton starter, c'était Ponyta, Zigzaton, Barpo. Oh, ça va, hein. Il est plus dégueulasse. Il est plus dégueulasse. Ah bah du coup, il y a la G2 et 3 dans Rouge Feu, dans la ROM Rouge Feu. Aquaquac. Oui, je vais changer. Pour Mister Ampifloa. Ponyta de type glace. Qui est bombeur comme First Attack. C'est pas très opti tout ça. Allez, Rayon. Ça grince. Et ça balance la sauce. Barpo, la chasse au barpo. Attends, Ruby Saphir, Émeraude, au secours. De base, il y a G1, 2, 3 dans Rouge-Feu. Ah bon? Bah, dans Vert-Feuille, pour l'instant, on n'a pas vu. Mais je pense que oui, tu peux échanger avec tes potes des trucs G1, 2, 3. Mais dans l'aventure elle-même, pour l'instant, j'ai pas vu. Les Rouge-Feu, Vert-Feuille, c'est les seuls. La seule version que j'avais jamais faite avant le défi, avant 2-3 jours là. C'est la première fois que je touchais à Rouge Feu Vert Feu. Sinon toutes les autres générations, je les ai poncées sur poncées. Je peux vraiment choper tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Je veux bien te croire. Oh la vache, un random sur Noir Blanc 2. Ça doit être bien drôle ça aussi. L'effet de repos se dissipe. Non. Attends, on va déjà soigner aussi les petits gars. Voilà, petit limo. Voilà. Max repousse. Alors. C'était cette grêle. Ok, intéressant. Allez, Jonglerman, qu'est-ce que tu veux? T'as un Pokémon, Monsieur Mime. Tiens donc. Tiens donc. La première capture, c'est un Ammonista
de type insecte avec taillade. Pas mal. C'est pas mal ça. Oh, il m'a déboîté avec son psycho là. Oh non, j'ai fait le lance-soleil. Je vais mourir. Eh ouais, mais quel con aussi. Quel abruti, pourquoi j'ai fait le lance-soleil? Tignon de type psy avec bulle d'eau. Ouais, taille non psy. Ça va pas trop ensemble, mais pourquoi pas? Elle est cool. Allez, du smurf. Ça dégage. Niveau 51, drapeau de feu. Ça monte toujours et encore. C'est cool. Un sulfura de type roche, balayage et mais... Un sulfura, mais... Quelle chance, man. J'ai entendu parler de quelqu'un très doué. Oh là là, il en a mille. C'est Georges. C'est Georges. Nioxo avec Surf. Oh, direct la CS Surf, quoi. Enfin, je sais pas si tu peux la compter comme CS, alors du coup, c'est l'arty. Si t'as ça, du coup, c'est complètement broken, parce que tu peux dodge tellement de trucs et les capturer du high level direct. Pokémon. Électrode. Paf. Sablero. Le dernier que j'ai eu, car oui, une zone, une par zone, ouais. Un Ambrilex type électrique. Oh, comme c'est bien Ambrilex. Ambrilex, c'est trop bien. Un Ambrilex type électrique en plus. C'est vraiment trop bien. Enfin. Ouais, ouais, si, c'est bien. Plus d'abri. Ah, mais j'ai plus d'ampiflore. Est-ce que Marcy va plus tard? J'ai des doutes. Au pire. Ah, mais non, il a feuille magique, mais oui. Bien sûr qu'il va marcher. Oh, Psycho. Psycho, il a une attaque spé tellement overpower. Que ça passe. Bien sûr. Il va finir par un Arcanin. Ça s'intimide mutuellement. Petit hydrocanon là. Ça dégage. C'est vrai. Il constate que... Un rappel max. Ça pourra servir. Alors... Le caillou là de souvenir, faut le ramener là-haut. Ah, quel plaisir les repousses quand même.
Ok, paf, 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 paf. Non, paf, paf. Putain, ils ont fait les mêmes énigmes aux mêmes endroits. Hein. La même disposition surchauffe. Ok, intéressant. Alexia, la Mélophée. Bah toi tu vas être castagnée avec. Tu vas être castagnée avec Marcel, Marcel et son orchestre. Mais en lumière. Défense spéciale, t'inquiète pas, je suis encore à corps. Ah bah non. Ah bah si. Tout le torgnole. Paf. Persian, bon. Persian, il a une sale attaque là qui me défonce à chaque fois. Je crois que c'est une attaque ténèbre. C'est ça, c'est feinte en fait. Ah, ça va, là, même pas trop défoncé. $999 et $666. Classique. Pas intérêt à m'endormir. Casse la brique. Spreu. Ça tue. Je t'ai MT setup que j'ai pour jouer et stream. Comme ça, tu verras. Si bien largement le faire avec un réglage, une coquille. De 1844. Ok, ouais, bah ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Merci en tout cas. Lamantine. 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 Ah bah ils sont là, il est mort en piflore, casse les noix. Regardez Monsieur Mime. Mime 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 mime. On fout une psycho dans la gueule. Ah non mais feuille magique à chaque fois. Mais psycho ça suffit. Ah bah non pas là. Ah bélier ça fait mal ça. Allez, feuille magique. Le Vénard, tiens, tiens, tiens. On va garder. Pop, 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 pop. Ah, c'est descendu lentement, là. Bim. Niveau 52 pour Dracofeu. Très bien. Ah, tu plaisantes pas, toi. Sac, une petite limonade là. Pour Marcy. Je pense que je vais rappeler en piflore quand même. Je vais rappeler en piflore. Hop. Petit rappel, pas rappel max, hein, pas déconner. Là, rappel. J'en ai 5. On va en acheter la dose pour le conseil des 4. Ok, on va lui rajouter une petite limonade avec ça. Bien fraîche. À la tireuse. Ah mais il y a le stream qui a cut il y a pas longtemps en fait. Je viens de voir. Je viens de voir ça. Bon. Allez, sauvegardons. Let's go. Attends. Là, j'ai mis le truc. Oui, non, oui, c'est là. Oui, c'est arrivé.
n'ai même pas fait attention. Mais ça continue à drop, hein. C'est horrible. C'est horrible, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. En plus, à cette heure-là, quoi. Un dimanche soir à 23h30, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Je comprends pas. Putain, au lieu de faire le lance-soleil, je devrais faire du... On va faire du tranche-herbe et ça suffit largement. Tétarte, on va regarder. Lorenzo. Tantra cruel, du coup c'est poison, du coup un petit rafale psy là dans la tête, moins faire le malin. Putain, tu m'as MP ta fierté. 3 ans de dur labeur. Eh ben, dis donc. Bah, les réglages informatiques, c'est pas trop mon truc. Hein, en fait. Je peux régler des problèmes et tout, mais quand il faut un peu trop rechercher. Voilà. Je dis que c'est la faute à la manette ou la faute à la connexion. Qu'est-ce qu'il a dit Tortank. Tortank, merde. J'aurais dû empifleuriser. Allez, tranche-herbe, ça suffira. Peut-être double tranche-herbe, mais ça revient à même que de faire lance-soleil, quoi. C'est super efficace. Efficace et pas cher. Hypocéan, on va garder. Ok, next. Ah, c'est vrai, t'as les vraies références, Puffingers. Pokémon. Si, si, c'est ça dans un sens. Ah non, mais il va pas me paralyser à l'infini là. Si Dracaufeu se faire buter par un Chétiflore, c'est la honte internationale de tous les Pokémon. Là. Les papillons de nuit qui font leur entrée là. Ah, c'est pas là, la fenêtre là, tu peux ressortir. C'est posé. Ça me rassure. Mais je sais plus qui avait fait cette parodie. Je pense que c'était pas Koei il y a très longtemps, une connerie comme ça. Il y a très longtemps sur Europe 2. Une matinée de 2003 ou 2004. Empiflore, ok, il y a toute la famille. Il y a toute la Mifa chez Tiflore là. Niveau 53. Parasecte. Parasect, je sais pas si le feu ça marche trop. Hein. Ou les types insectes.
plus il est-il proche ou ce... Oh la vache. Oh la vache. Au secours. Petite potion max là. Ah j'aurais dû mettre guérison pour se soigner de la paralysie aussi. Je suis con. Mais comme il fait mal ce con. Il est paralysé. Voilà, il est en train de me défoncer. Oh là 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 là. Je vais me faire tuer par un parasecte nul. Ah, c'est bon, il est quand même insecte. J'adore ce cri. Cri de parasecte, il est trop stylé. Et un petit paras pour terminer. Envoyé par Caroline. Caroline. Ok, je suis furieuse. Ouais, très bien. Reste furieuse. Alors, l'effet du repos se dissipe. Non. Parce que... Déjà... Limonade. Rac au feu. Voilà. Et puis, en plus de ça... Max repousse. Merci. Alors. Ah oui, non, mais là, il faut pousser les trucs. On ne peut pas. Après, je crois qu'il faut tomber. On a atterri sur du surf. Il semble que c'est ça le délire. Eh merde, je vais refaire tout le tour. J'ai perdu Max repousse, mais c'est bon, j'en ai 1000. Il y a eu un bruit de Pokémon, on est d'accord là. Bizarre. Ok, on tombe là. Lui, il faut que je le pousse ici. Ok, let's go. Déjà ? Oh la vache, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps à faire à refaire le tour là. Ok. Ok, on ouvre la porte. Quoi ? Ah, le max repousse, c'est pas 100% de truc. Onyx niveau 48, quand je... Déconne 0. Ok, on peut continuer l'échelle ici. Là, il y a les jumelles. Je sais pas si les deux me combattent ou si c'est... Nous allons devenir champions ensemble. Apparemment pas, ouais. Oh, Nidoking, Nidoqueen, là. Il déconne pas, là. Mais j'ai les deux contre. Des os. Un coup de surf et c'est terminé. C'est terminé. La trancherbe aussi, ça touche les deux. Le plaquage. Ça paralyse ça. Ok, il me reste 7. 7 points de pouvoir surf. Pas beaucoup. Mais ça suffit à renverser ces deux connards. Et salut Elunip. Comment vas-tu?
Bonsoir, bonsoir. Écoute, ça va, ça va. On essaie de finir Pokémon pour ce soir. On a la route victoire. Et ben, on est sorti de la route victoire. On arrive à la ligue. Ça, c'est formidable. On va essayer de terminer ça. Tranquillement, mais sûrement. Alors, je sais... J'ai un peu peur des niveaux des mecs. Au pire, tant pis. Pour l'instant, on est sur un sans faute. On s'est encore jamais fait battre. C'est incroyable. Un peu fatigué, mais sinon, ça va. Moi aussi, je t'avoue que ça commence à... être compliqué. Mais bon. Alors... Bon, là, on va se faire plaisir. Hein. Ça va être full rappel. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je vais en prendre... Je vais en prendre 20. On a tellement de thunes. Ça change rien. Et des guérisons. On va prendre plein de guérisons. Allez, 20 guérisons. Allez, foutre. Voilà, ça devrait le faire. J'ai encore des potions en rab. Tu files. Bah merci beaucoup, Pafingers. Je te tiens au jus, du coup, pour les réglages, là, si ça marche. Mais merci en tout cas d'être passé. C'était très cool. À très bientôt. Et une bonne nuitée. Voilà. Donc... tac-tac-tac. Bah, ma team, ça va être ça. Hein. Je vais me battre avec 4 Pokémon. C'est un peu... C'est un peu faible, je trouve. Mais on va essayer de faire avec. Ah oui, non, il faut que j'apprenne Blizzard à quelqu'un, parce que ça va pas le faire sinon. Il faut que j'apprenne à Vifouille. Il faut que j'aille voir le maître des capacités pour qu'il désapprenne Surf. Quoique non, on va oublier son attaque dragon là. Son attaque dragon, on en a plus besoin. On en a plus besoin de son attaque dragon. Donc on va voir ce qu'on a. Attends, déjà. Mince, qu'est-ce que je fais? On va sauvegarder déjà là. Voilà. On va voir les objets. What c'était? Donc, la tactique. Mis 3 points. Attaque en dernier, lanceur apparu s'y toucher avant. En vrai, j'ai limite envie d'apprendre ça à. Au feu à la place de la frappe Atlas, mais on verra. Grêle, non, on s'en fout. Provoque, non. Blizzard, ouais, Dracorage, Rouse, Dracorage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Séisme, un séisme, c'est très intéressant. Parce que Pokémon Sol, c'est fort contre quoi? Je sais déjà plus. Contre l'électricité, il n'y a pas trop de Pokémon électriques. Ah, on va prendre séisme à Dracaufeu. Comme on a déjà du combat avec... Je vais voir le truc combat. C'est quoi Mitra Point? Anarcy peut l'apprendre. Donc, peut-être à la place de Point Karaté là. De Casse-Brique, pardon. Attaque qui brise les barrières comme protection et lumière. Attaque en dernier, lanceur apeuriste.
Ok, ouais, non, il faut pas se faire toucher, donc... pas se faire toucher avant, sinon on passe son tour. C'est pas le bon point. Toxique, c'est intéressant à mettre, peut-être. Séisme. Séisme, je vais le mettre sur Dracofeu, je pense. J'ai oublié Frappe Atlas et apprendre Séisme. Je pense que c'est un peu. Ok. Ensuite, Psycho, ça en a. Onde de choc. Ça aurait été intéressant. Tourmente. Cher à l'utilisation d'une attaque. Sympa ça aussi. Aile d'acier. Ténèbres. Surchauffe. Attaque à pleine puissance mais baisse beaucoup l'attaque spéciale. Non, je vais rester sur déflagration. Je vais rester sur déflagration. Du coup. Peut-être aller apprendre le point, l'ultima point pour Monsieur Bim. Ouais, aller faire ça. On va aller vite fait faire ça. C'est à Azuria. Hop. Ça y est, t'as fini ton run dans Elite Dangerous. Tu vas te coucher aussi. Dac. Bah cool, cool. GG. Et bah merci en tout cas d'être passé. Et à très bientôt, Mister Tao. Bon courage pour le taf demain. Et à très bientôt, ouais, du coup. Bonne nuit, ça. Donc faut aller par là. C'est par là-haut. C'est par là-haut qu'on y va. Ah, il y a encore l'effet de repousse. Est-ce qu'on peut déjà aller capturer Mewtwo sinon? Je crois qu'il faut battre la ligue avant. Mettre la ligue. Je vous comprends. Ok, donc là il y avait l'ananas. C'est une combattante. Je viens chercher mon Pokémon champignon. Parasect quoi. Oui. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder ici toi? Dracofeu. Burn. Allez hop, ça dégage. Ah, mon Pokémon. Et oui, ton Pokémon. Je crois qu'il n'y a plus de champignons dans le coin. J'ai tous ramassé. Ah ouais, pour l'autre là. Pour le mec qui me demandait des champlards. Bon. Alors c'est eux qui m'apprennent le truc. Mais s'il te plaît, veux-tu bien grimper? Coup de pied féroce, non, c'est pas le coup de pied. Non.
Oui. Je devrais apprendre aussi ultra laser peut-être. Ah non, c'était normal l'ultima point. Oh, c'est nul. Oh non, c'est nul en fait. C'est nul. C'est nul en fait, ok. Je pensais que c'était un truc combat. Du coup, on va aller à Celadopol voir juste les CT qui traînent. Au magasin. Mais arrête. Oh là là, cette manette. Trop sensible cette manette. C'est terrible. Allez, je sais plus à quel étage c'est, je crois que c'est à l'avant-dernier. Enfin, avant le toit, quoi. Est-ce toi ? Pas du tout. Est-ce toi ? Pas du tout. C'est l'étage du dessous. Est-ce toi ? Pas du tout non plus. Et donc ? C'est proche par l'ascenseur. S'il te plaît, arrête de faire des petits allers-retours. Mais merci. Est-ce toi ? C'est qu'il est le mec qui vend. Qui vend les CT, c'était au premier. Ah bah oui, c'était au premier. Ok, hurlement, ultra laser. Ultra laser, je vais acheter. Servir, tunnel, casse-brique, force cachée, attraction. Y'a que ça ? Un peu déçu. Y'a que ça ? Un peu beaucoup déçu. Bon, ultra laser, on va la prendre. Je crois que c'est quand même bien pété. Quoique, en fait, ça se trouve. Enfin, dans rouge, jaune, bleu, c'était ultra claqué. 150,90, mais c'est normal. C'est pas si ouf que ça. On peut la prendre. Bon, est-ce qu'on virait pas feuille magique et mettre ultra laser ? Non, c'est pas déconnant, allez. J'ai déjà un boostiflore pour les attaques plantes. Ok, bon, je crois que là on est ready. On est ready. Il y a des super bonbons à distribuer aussi. Je sais pas à qui les donner. Je vais aussi me mettre des ronflex à la place des glandus que j'ai dans mon équipe. Comme, parce qu'ils peuvent bien tanker au cas où il faut faire un change slash soin. On va faire ça. Allez. Retour au plateau indigo. Tac. Déposé. Et du coup, très au piqueur. Nidorina, Tezo, je vais prendre mes ronflex, même s'ils sont que niveau 30, je crois qu'ils ont tellement de vie déjà. Combien de PV ? Elles ont 141 PV en étant niveau 30. Allez, on va prendre ça. Un ronflex.
Et ouais, pour la ligue, ouais, faut pour être les célébrités à la fin. On va mettre. C'est qu'on peut mettre. Oh, le Onyx qui m'avait bouffé toutes mes Pokéballs là. Patata. Espèce de pitonité. Voilà, vas-y, on va prendre double ronflex là, aucune race. Aucune race, double ronflex. Les super bonbons, est-ce que je les file à des gens? Je save ici. J'en ai pas des masses des super bonbons, mais bon. Autant s'en servir. Rappel max, guérison 22, ouais. Super bonbons, où sont-ils? Alors, j'en ai 5 quand même. J'en ai 5. Alors, on va monter Dracaufeu. Dracorage. Là, on va en mettre deux et on va mettre un de chaque sur les sur chacun. Piflore. Et merci. Ok. Allez, c'est parti. On est parti. Ah si, j'ai encore des trucs. J'ai encore des objets à donner, à porter. Perles à vendre. Ah putain, j'ai tout ça aussi. Monte l'attaque spéciale. Vas-y. On va tout mettre sur. On va mettre sur Dracaufeu, sur. On va le mettre sur Marcy aussi. Là. Il y a déjà tellement que. Encore plus. C'est... Ensuite, qu'est-ce que j'avais dû faire? La défense. La défense, qui c'est un peu naze en défense? Le Piflore est pas au fond de défense. Protéine. L'attaque. L'attaque corps à corps, ça c'est pour Marcy aussi. On va tout lui filer. Tout lui filer à lui. Carbone, la vitesse. La vitesse. Piflore. Allez. Défense spéciale. PV+. Ah, PV+. Bien. PV+, c'est bien. 144, tatati. Bah, merci. Défense spéciale. Défense spéciale. Carbone, vitesse. Défense P encore. Vive Griff, ça il faut le donner à quelqu'un. Pour attaquer en premier. Merci. Tu voulais. Tu vous laisses. Merci Elunim d'être passé, c'est cool. Merci à toi. A très bientôt, bonne nuit. Bonne nuitée. Et bon repos. Voilà. C'est quoi que j'ai pris là? Le fer pour la défense. Défense physique. Il y aura du fight. Ce sera lui contre les mecs qui feront du feedback. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout distribué. Un antipo hyper potion réveil.
Ouais, Pokéflûte, morceau étoile, anti-parrain. Ok, on a ce qu'il faut. Let's go. Petit. Let's go, let's go. Parce que je sauvegarde avant. C'est-à-dire que je suis sûr de mon coup. Mais oui. Allez. Souffler n'est pas joué. Let's go. Let's go. Je suis Olga, yeah, maîtresse des Pokémon de glace. Ah ah ah, c'est parti. Ça, ça a pas changé. Et je n'ai absolument pas fait l'ordre de mes Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a Boostiflor qui va commencer et que c'est une catastrophe contre la glace. C'est une catastrophe contre la glace. Il faudra coffrer. Même si je sais plus, Lamantine c'est eau ou glace. J'aurais même pas dire. Coséis. Grêle il fait. Tu. Bah voyons voir si ça marche. Ah c'est le coup. Aïe 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 aïe, il a surf. Ne meurs pas. La grêle continue. Ah, c'est contre eux qu'il fallait être Pokémon électrique. Ok. Mauvais plan. Let's go vite fouiller. Putain, ils sont niveau 52 en fait. Je suis un petit peu à la ramasse sur les modèles. Je suis un petit peu beaucoup à la ramasse. Enfin. On va tester. Qui sait. Ah, je suis chelou. Ok. C'est la merde. C'est la foule. Ouais, c'est Monsieur Mime. On va lancer un Rune Protect. Gèle pas. Fuck. Ils sont tous gelés, c'est superbe. Guérison est utile. Et merde. Ah ben on n'est pas sorti, hein. On n'est pas sorti. C'est la mégalouse là. Il me fallait un Pokémon électrique pour ça. Au pire, il faut que j'aille chasser Elector à la centrale. Ça fait chier. Il faut Elector. Ultra laser au pire. Ça fait rien en plus. Ah, et putain, je meurs de la grève. Ça commence très très mal. Pas se mentir, hein. C'est la loose. C'est la méga loose. Là, il va. Je suis sûr qu'il va mettre un
guérison de nouveau là. Ah non. Bon. Un en moins. Zagados, ok. Oh, nice. Nice, nice. Allez. Le classe par contre c'est pure glace ou c'est gros. Oh, alors une protect mais oui. Oh, je suis mort. 100% mort là. Aïe 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 aïe. Ah, il est gelé. Il est gelé. Sac. Rappel. Ah, oh, est-ce qu'il me met ? Est-ce qu'elle me met ? Soigner fort, fort. Limonade. C'est un petit paillement quand même. Oh merde. Aïe 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 aïe. Bon. Oh non. Non 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 non. Putain, c'est chiant. Hors du marché, je remeurs. C'est horrible, je crois que c'est dead. En vrai, je crois que c'est dead. C'est horrible. Je rate tout. Tous mes Pokémon les ratent. Je pense qu'il faudra que je fasse un... Là, ça va être la première défaite. Hein. Première défaite du jeu. Sur le premier... Premier mec du conseil. Et ouais, 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 ouais. Malheureusement. Adieu. Ouais, 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 allez. On va revoir. $6,600. Michel est hors jeu. Ouais, 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 ouais. Michel se hâte peur. 30 Pokémon pour éviter que ses pauvres Pokémon souffrent davantage. Et oui, oui. Ouais. J'hésite à m'arrêter là parce que là
Je suis vraiment fatigué. Et on finira Pokémon un autre jour, du coup. Pas demain. Voilà. Pas demain. Pas demain, sûrement mardi. C'est mardi. Il faut qu'on finisse aussi ce Metal Slug qui me gonfle un peu. Voilà, je n'aurais pas tenu les 24 heures. Ça fait combien de temps là ? 12 plus 3. 15 heures. Bon, c'est déjà pas mal, 15 sur 24. Mais ouais. Déjà la moitié, je sens. Même avant, au quart, je sentais que j'avais pas tout faire. En tout cas. C'était une grosse journée. Et ouais. Merci à tout le monde, à tous ceux qui sont passés, peut-être passés. On se retrouve dans 2 jours, je suppose. Dans 2 jours, je suppose. Demain, moi, je vais faire du ménage, plein de trucs. Et ouais. Et ouais, je vais me reposer. Merci d'avoir suivi. Bonne nuit. Ceux qui ont tenu toutes les VOD, bravo à eux. Et merci encore. Des bisous tout le monde. À très bientôt.